que c'est un ninja. Ninja, je mine, mon gars, ninja. Ah. Oh la vache. Oh putain, ils sont encore vivants. Non, ils vont poursuivre. Non. En plus, ils courent trop vite. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evel et bienvenue pour un nouvel épisode de Ayou, le troisième épisode en compagnie des Beaufortes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comme un boulet. Alors ça c'est, on a trouvé, enfin entre deux épisodes bien entendu, nous sommes partis miner, hein, on s'est installé tranquillement, on a posé quelques trucs. Et donc notamment au niveau du grinder, donc en fait j'ai vu en simple, il y avait des explications dessus, il suffit de placer en fait une plaque de pression, plus la plaque de pression est précieuse, alors c'est une plaque de pression vanille qu'il faut mettre, et en fait on peut grinder, donc c'est un grinder qui permet de faire de la poudre, donc de multiplier déjà par deux les minerais qu'on utilise. Donc ce qui est plutôt pratique au niveau de ce qu'on a récupéré, donc voilà à peu près. J'ai utilisé le Black Quartz pour faire une pioche qui a l'équivalence à peu près d'une pioche en fer pour récupérer. Et là, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à l'Inferium, donc qui est de Mystical Agriculture. Donc l'Inferium, c'est ça, et on en avait plein. Et notamment, on s'est fait des fours, là, juste ici, donc qui permettent en fait d'avoir la vitesse d'un four normal, en fait. Hein. Plus 15%, en fait, ça nous fait un four classique, en fait. Donc voilà, et ce qui était plutôt pratique aussi. Donc bah, on a utilisé les champs de patates, etc. pour la bouffe, hein, pour évoluer un petit peu. Donc voilà, ce que j'ai fait hein, pour le four, c'était tout simple. Hein. On a fait un bloc avec l'Inferium, après on en met 3 avec un four, et bim, on a donc l'Inferium Furnace. Alors ensuite, plus tard, il nous faudra une infusion de cristal pour passer au tiers supérieur. Mais pour l'instant, il faut du diam, c'est ça, on n'en a pas encore trouvé. Autre objectif, donc, bah, pour vous montrer rapido, bah, le seul truc qu'on a fait, en fait, c'est cette petite cave là qu'on a creusée, voilà, ici, pour aller miner, hein, tout simplement. Donc voilà, petite base tranquille. Ça, là-dessus, on n'a pas été plus loin. J'ai mes quêtes à valider, on a des chance cubes à ouvrir aussi, qu'on ouvrira hors du village. Donc voilà, donc la pickaxe aussi, j'ai pas montré voilà le craft un petit peu, donc c'est le base essence, donc c'est les prosperity shards qu'on obtient également aussi en mine, hein, ça se trouve assez rapidement, c'est même plus commun que le fer, hein. Le fer on a beaucoup plus de mal à en trouver, malheureusement sur cette génération, bah, pour le reste pas de problème, donc voilà, pour les prochaines quêtes qu'on va avoir à faire, donc il s'agissait donc, alors c'est pas celle-là, je l'ai pas faite encore, il s'agissait... de la quête donc du Picapa Reborn, donc qui est une autre pickaxe. J'ai récupéré assez de fer donc pour qu'on puisse la réaliser. Donc tiens, épée, je te passe deux blocs qui sont nécessaires à la réalisation hein, de cette chose là. Plus donc un bloc de redstone pour réaliser donc cette pickaxe. Je sais pas ce qu'elle est, hein, c'est un truc kappa, moi j'ai peur qu'on se fasse troller hein, clairement. Donc faudra faire gaffe quand même. Je sais pas du tout ce que ça. Ah celle-là, ouais. Ouais. Elle a quelque chose de spécial? J'en sais rien du tout. Je t'avoue que ça elle me fait flipper. What? Elle a 30 000 de durabilité? Bah... ouais. Ah bah... Attends. Qu'est-ce qu'il y a comme connerie avec ça? Ok. Bah effectivement... Ça a l'air rien du tout comme... 30 000 de durabilité. D'accord. Moi je veux bien, hein. Ah ok. Ok. C'est une bonne pickaxe. Mais alors, c'est quoi la feinte? Y'a pas de feinte. Ça marque quoi? Ça marque Delayed Cobblestone Disabled. C'est-à-dire... Et pas du tout. C'est étrange. Bon, je sais pas, on la testera un peu plus tard. En tout cas, j'ai des quêtes à valider. Donc ça, c'est vrai qu'on va les valider un petit peu maintenant. Maintenant qu'on s'est posé un petit peu dans l'endroit. On a pris possession. Bon, les PNJ sont un petit peu encombrants, mais bon, c'est pas très grave. Ça va, on s'en sort. Hop, donc question d'habitude. Oui, voilà, c'est question d'habitude. Alors, on ira faire la séance ouverture de Chance Cube, hein, chose que j'adore hein, particulièrement. J'espère qu'on va pas mourir, parce qu'avec l'XP qu'on a récupéré déjà depuis, ça me ferait un petit peu chier, hein, tout petit peu. Du coup, les quêtes, alors, hop là. La première quête que nous avons à valider. Bon, déjà, oui, voilà, celle-là, déjà. D'accord, Eden d'Hélène, très bien. On est un peu en retard sur notre... Bon bah décidément j'ai pas mal de soucis avec les quêtes, hein. Bon de temps en temps j'ai des crashs, bon j'espère que ça ira, on va essayer de récupérer les autres quêtes quand même. Hein? Quand même? Alors attends, j'avais dit la théorie comme quoi si je vidais mon truc ça pouvait me sauver, je sais pas, on va tester, on va voir, on verra ce que ça va donner. Ça m'a quand même donné les trucs mais ouais j'ai des petits crashs de temps en temps. Le grinder, claim, ah là c'est bon, là ça n'a pas crashé, bon je ne sais pas pourquoi. C'est chelou. Je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est étrange.
Alors, mais effectivement, ouais, là, c'est peut-être parce que ça le met directement dans mon inventaire et qu'il aime pas le fait que ça, je sais pas, c'est très étrange. Ah oui, il y avait la pickaxe aussi, j'avais pas vu. Oh bah du coup, on a plein de chance cubes à ouvrir. Oh oui, ça c'est bien, ça. Ça c'est très bien. Bon bah on va faire passer la nuit, puis on va tester tout ça. Hein. Ah ouais. Par contre, je pense que. On va se mettre loin. Ouais. Puis on va enlever tous nos équipements et tout. Oui. Parce que ça sent pas bon. Du coup, je vais faire. On va se le mettre où? Ah, bah, du coup, ouais, j'ai tous mes trucs en double. Ouais, ça fait déjà un sacré bordel. Bah, du coup, ouais, parce que Tinker Construct, ils nous ont donné tout ce qu'il fallait. Bon, je vais prendre un coffre là. Et puis, je vais mettre un coffre ici. Juste le temps d'y déposer mon stuff. Voilà. Ouais, bah oui, ça serait bien. Alors, après, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on peut aussi se défendre contre des mobs et tout. Bon, j'ai quand même gardé mon armure et mon épée. Voilà. Ouais, c'est déjà bien. Oui. Et même une pioche en fait, parce que s'il y a un souci qu'on se fait emmurer ou des trucs comme ça. Ouais. Un chance cube est vicieux, hein. Bah oui, il est plutôt intéressant, mais pas pour tout. Le chance cube est sauvage, mais le chance cube est vicieux. Alors, où est-ce qu'on pourrait se mettre pour que ce soit pas trop dangereux? Par là? Ouais, par là, ça a l'air pas mal. Ouais. On est pas mal loin là. Là, tiens, sur cette île en face, c'est bien. Voilà. On a l'eau qui protège parce que ça peut quand même générer des trucs de malade. Bah ouais, c'est justement. En fait, faudra qu'on se fasse un scanner. Je crois que le scanner coûte pas cher en plus. Attends. Si je cherche scanner. Le chance cube scanner. Ah ouais, mais il faut un tiers 1. Oh putain, il faut un bloc de diamant. D'accord. D'accord. Bon bah, faut prier pour que le chance cube il fasse des trucs bien. Alors, j'étais chance cube aussi, je crois. Hein, mais bon. Est-ce que. J'en ai deux. T'en as deux? Ah bah attends. Ouais. Alors 3 et 4, voilà, ça nous en fait 4 chacun. D'accord, ok, très bien. Tu commences? Putain, je. Oh, t'as le bâton! T'as le bâton de la mort! Il est trop bien celui-là! Ah oui! Attends, monte-moi juste pour que je monte les stats. Ce truc-là est monstrueux, je crois. Sharpness 5. Ah non, c'est pas celui que je pensais. Tu pensais au knockback 50? Oui, 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 je pensais au truc de knockback insane. Bon, à moi. Oui! Ça va péter! Oh merde! Oh mais putain, j'étais trop content! Ça va péter! Le mec, j'ai dit oui! L'antidote, ça va péter, je fais quoi? Mais non, ça va pas péter! Putain! Oh, moi, j'étais trop content! Eh bah ouais, ça se voit, hein! Putain! Ah ouais, ok. Moi je connais pas tous les loots du Chance Cube, j'en ai ouvert quelques-uns, mais je t'avoue que certains me restent encore inconnus, donc voilà, je me suis bien fait troll, c'est très bien. J'avais oublié que c'est là par 4, là tu le fais comme ça toi. Oh la vache! Laisse les cramer. Non, t'aurais pas dû les mettre dans la flotte. Ok, j'arrive. Oh. Eh, en fait tu peux spam click à mort hein, pour les taper. Ah bah oui, c'est vrai. Mais plus que ça encore. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu peux, en fait, avec le mode qu'ils ont mis, tu peux leur mettre plus de dégâts qu'à l'habitué. C'était ah trop. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça ignore totalement la hitbox qui se recharge habituellement. Je viens de remarquer ça en fait. Et c'est pour ça que quand on tapait les blocs d'herbe et tout, tu sais, on les voyait se péter en boucle. Parce qu'en fait, y a pas du tout. Tu peux taper comme une mitrailleuse. Donc c'est vrai que les mobs sont plus durs à buter, mais par contre, on y gagne en frappe, je sais pas comment on pourrait dire ça. Les combos. Le combo, ouais, en termes de time. Il y a un nom pour ça, mais j'ai plus le nom. Tant pis. D'accord. C'est le mec fait. Ok. Bah, très bien. Alors, c'est bien d'avoir un bloc de bedrock. Et t'as remarqué que. Ah non, j'ai rien dit. Bloc de bedrock, ouais. Bon bah. Ouais. Cadeau! Oh putain! Oh, oh, oh mais ça m'a fait trop mal! Ouais, bah. J'ai pris cher d'ici, quoi. Bon, je te laisse le tien. Bah, ouais, hein, ouais. Il a peur maintenant. Une week. T'as vu comment on lui met mal? Ouais. Ah, salope. Ah, ouais, putain, les chauves-souris. What? Elle te suce ton sang. Je me fais attaquer par quoi? Bah, t'as une. Tape-la-moi. Ouais, mais je vais te tuer. Mais je vais mourir. Ah bah voilà. Oh putain. Mais non. Mais c'est quoi ça? Allez. Ah c'était une chauve-souris qui était dans ta tête hein. Elle t'a suce. Voilà. Ah fallait peut-être que je la sorte de mon inventaire.
Ah, peut-être aussi. Ouais, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Alors attends, toi t'es là-bas, j'arrive. Ok, sympa, pour l'instant c'est que des mauvais trucs quoi. Mis à part le bâton. Ok, il me reste un chance cube, vas-y. Aïe. Oh putain. Qu'est-ce qui... Ah, je suis où? D'accord. T'as fait un skyblock, non? Non, je suis à côté. Ah oui, tu t'es juste fait TP? Ah ouais, j'ai atterri après du cube de bois là-bas. D'accord, j'étais en mode putain merde, il passait où? Ouais, bonjour. Mais lui il se barre. No, you are not ready, voilà, tu n'es pas prêt pour. Ok, bon bah c'était pas très très productif tout ça. Hein. Non. Putain, je suis déçu. Aïe. Comment tu m'as poussé? J'ai pas pris de dégâts. Le coup de bâton. Ah, c'était le coup de bâton. Ah, et il a quand même un knockback ce petit cochon là. Bah, on dirait bien, pourtant il est pas marqué dessus. Ouais, vas-y, montre, refrappe-moi. Ah ouais, on est d'accord, ça. Ah ouais. En fait, non, tu fais pas de dégâts. Le sharpness 5 fait rien. Alors, je sais pas si c'est un bug, mais. Vas-y, frappe. Frappe. Pire ton armure. Non, ouais. Vas-y, retape. Eh, ça marque poke. C'est vraiment juste pour rejeter les zombies. Ok, très bien. Bon bah voilà, on sait. Ok, très bien, bon bah c'est fait, voilà, j'ai perdu mes 19 levels, je suis très content. Je vous avoue que là, c'est encore une réussite absolue. Dans ce qu'on avait à faire en quête... il va falloir voir la suite. Donc on va peut-être commencer à faire le four. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire le furnace de Tinker? Il faut du sable, de la clé, tout ce qui s'ensuit. Ok, parce que là il faut du fer, mais ça pour l'instant on l'a pas encore fait parce que là j'ai la priorité. Et donc ouais, il nous faut une smeltery. Et du coup pour... Ah ouais, t'as vu, en reward il nous donne un ingot cast. Ah oui, faut faire toutes les étapes du four quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. Les serrettes briques, d'accord. Et du coup il faut... La quête accéder dans le nether. Bon. Ouais, la quête accéder au nether pour l'instant c'est mort. Alors, attends, je vais me faire une pelle avec ça. Hop, avec le black, puis on va faire du shift click, voilà. Très bien. Il est du blaze. Ouais, bien sûr. Alors, voilà, le manger. T'as ce qu'il faut à manger parce que sinon moi j'ai plein de patates, si jamais. Moi j'ai des carottes. Carottes, ok. Bon, déjà du sable, hein, on est d'accord, du sable. Ouais. Alors voilà, je suis parti en exploration pour récupérer un peu de la canne à sucre parce que tout simplement les PNJ là proposent des échanges intéressants contre du papier. Et donc voilà, j'ai commencé à récupérer de la sugar cane un peu partout. Et je l'ai planté ici. On n'en a pas trouvé beaucoup, hein. Il y en avait juste 7 qui étaient en bordure, vraiment. Voilà, je les récupérerai au fur et à mesure. Et on pourra les transformer en papier pour récupérer de l'émeraude. Ce qui pourrait être utile aussi pour d'autres choses. Bon, le sable. Ah oui, parce que du coup, le sable... Ouais. Pas trop un problème. Ouais, bon, tiens, il y a de la clé, là. Voilà, super. Donc là, et 4 stacks et demi de sable, ça te va? Bah ouais, je sais pas. Bah de toute façon, il va falloir qu'on... Parce qu'en plus, il va falloir qu'on fasse tous les deux les étapes, c'est ça? Oh putain, ça va être chiant ça encore. Ça va être un petit peu chiant, oui. Légèrement. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec le Veil Miner, ça va vite. Bon, on a trouvé un peu de clé. J'ai un peu de clé, moi, dans le coin. Il faut des graviers. Et alors, parce qu'en plus, il y a du sel, donc du coup, on confond le sel avec le... Il faut du gravier aussi? Oui. D'accord. Bon, ça va, c'est pas trop un problème. Ça se drop assez vite. Ouais, surtout sur les montagnes, c'est cool. Ouais. Et alors, la clé, ouais. Bah, ça va, on a un biome qui s'y prête pas mal, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blocs de sel. C'est chiant, ça. Du coup, on sait pas. Ah là. Voilà, bon, c'est bien. J'ai un peu de clé, déjà. On va déjà faire fondre tout ça. Et je pense que là, déjà, c'est pas mal, en termes de récup. Je sais pas, ouais. Une clé est égale à... C'est quoi déjà pour faire de la... Ah ouais, non, c'est ça. C'est un stack... Oui, d'accord. Oh. Ouais, donc il va nous en falloir pas mal quand même. Parce que là, du coup, en clé, j'en ai que 43, 44 pour l'instant. Ok. Donc, il faut trouver de la clé. La clé en masse. Ça va. J'en ai un peu ici, ouais. J'en ai un peu quand même. Heureusement. Et puis ça va, ça se récupère vite, donc... Pas trop un problème. Veil Miner aide beaucoup. Bah oui, mais c'est une bonne chose, hein. Au final. Alors attends, si je fais ça. Voilà. Ah, le poulet il est content, je vais lui donner un coup de pelle. Ah, Light Silex. Voilà, bon. Ouais, le sable, je pense que ce sera bon. Alors attends, parce que eux ils ont des noms, parce que. Est-ce qu'ils donnent des drops? Non, lui c'est juste qu'il a
Il a de la vie en plus, mais il va pas forcément donner de drop, d'accord. Ok. Bon, bah voilà, ça c'est bon. Bah déjà avec tout ça, on va commencer, parce que je pense que là, il y a déjà de quoi faire. Ouais, parce qu'on est d'accord que c'est de la clay, et tu la mélanges à quoi déjà? Oh, je sais plus. Du sable et du gravier, justement. Par contre, c'est de la clay qu'il faut, c'est des points de clay ou des blocs? Tu peux avoir les points comme les blocs. Ok. Ouais, le mais craft du coup, c'est... en fait change un peu, c'est tout. Ah ok. Parce que là, bah, du coup, moi j'en ai fait des... Voilà, y a ce qu'il faut pour faire. Alors, à voir. À voir ce qu'on va pouvoir en faire. On peut faire de la coke brick. D'accord, mais c'est pas la coke brick qui nous intéresse. C'est... Viens dans la table... C'est quoi ton craft? Tu mets des cubes de clé dans le dernier slot. Ok. Voilà. Ah, c'est du Groot. Ouais, voilà. Je sors pas le Groot. Tu le fais fondre et t'as de la cire de briques. Ok. Bon, bah, je commence à les faire fondre. Hop. Voilà. Et du coup, on va vous faire toute cette étape. Là, on va dormir et on se retrouve juste après qu'on ait fini tout ça. Et nous revoici, chers amis. Donc voilà, on a énormément de Serrated Bricks. Alors, je suis parti miner entre deux, moi, pour tester un petit peu. Alors, cette pioche, en fait... D'ailleurs, j'ai pété ma blague en même temps. Cette pioche, en fait, elle sert uniquement pour la cobblestone, en fait. Et c'est vraiment ça, hein. Je crois que c'est que ça. C'est-à-dire que, en fait, si on mine autre chose, ça disparaît. Pour l'instant, tous les minerais que j'ai essayé, que j'ai croisé, ont disparu, donc voilà. Par contre, j'ai testé l'Inferium Pickaxe, elle est excellente. Bon, 500 de durabilité, c'est pas ouf, mais... C'est pas ouf, mais franchement, elle va vite. Elle va vite, elle va aussi vite pratiquement qu'une pioche en DMs, je crois. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Donc, nous avons donc les serrettes briques à faire et tout dans l'objectif. Alors, faut jouer un petit peu. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait là. Alors, j'ai repris un peu de fer parce qu'il va nous en falloir pour les crafts. Donc, serrettes briques, il nous en faut 17 déjà. Ouais. Alors, elles se font comment les serrettes briques? C'est juste 4 lingots? Ouais, c'est ça. Ok. 4 lingots. Donc, t'en fais 17 comme ça. Je t'ai fait cuire un verre parce que t'en auras besoin pour un tank. Ouais, et puis moi j'ai pris du fer pour parce qu'il en faudra pour les sauts. Voilà, 17 serrettes briques, ça c'est fait. Ensuite. Pas un tank? Hein? Je regardais pour faire un tank portatif, mais. Pour amener de la lave dedans. Ah oui, Smeltery Controller. Smeltery Drain, il en faut 2. Ouais. Donc le Smeltery Drain, il en faut 2. Ok, c'est comme ça. Est-ce qu'on aura assez en vrai? Parce que en fait, je regarde au fur et à mesure, je dis putain, il en faut. Ah, ça descend vite, mais il y en a encore dans le four. Donc... Ouais, bon ça va. Non, mais c'est vrai qu'on en a récupéré pas mal quand même. Donc... Bon, 2 Smeltery Drain, ça c'est fait. Ok. Ensuite, il nous faut... C'est marrant parce que je vois pas les trucs se valider au fur et à mesure, ça me fait peur. Enfin bon. Il faut que tu les aies tous pour qu'ils te valident. Ah ouais, d'accord. Alors ensuite, le Smeltery Controller. Alors, Smeltery Controller, d'accord, c'est juste ça. Pas de problème. Hop. Je n'ai pas les crafts par cœur. Je vais pas en faire trop... Voilà. Smeltery Controller, pas de problème. Ensuite, de toute façon, j'en ai moi, donc, du coup... Un forfait. un forfait. Alors, comment comme on fait? Comme un saut. C'est comme un saut, mais avec de la serrette brique. Ah oui, d'accord. Ensuite, il y a le Serrated Furnace Controller. Ok. Donc, le forfait fait comme un faux. Hop. Ça fait beaucoup de choses hein, pour Tinker à chaque fois. Hop. Ouais, mais une fois posé, c'est cool. Ah non, ça c'est le casting bassin. C'est pas ce que je veux. C'est pas le fossé, ça. Bon, j'imagine que j'en aurais besoin aussi. Bah, ouais. T'auras besoin d'une table et d'un bassin. Donc. Casting table aussi, ouais, ok. Donc la casting table, c'est celle-là. Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Ah bah ça y est, il commence à me les valider. D'accord. Ensuite, il me faut un faux serret tank. Donc le tank, j'imagine que oui, c'est entouré de... Ça le fait... tank, c'est le cube ouais, de voilà. L'air entouré. Ouais, ça semblait logique. Alors, il va nous falloir un saut, mais quel type de saut pour ça? Après, pour l'autre. Tu peux utiliser les sauts normaux. Pour remplir la lave. Alors attends, le fossé. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé le fossé. Ah oui, c'est pas comme... Ah si, comme un seau, mais moi je l'ai fait comme un chaudron en fait, c'est pour ça que j'ai... Ah. J'ai foiré les instructions. Et oui, il m'avait dit juste, c'est moi qui est complètement foiré. Attends, je vais dormir. Ah bah j'ai la quête complète, déjà. Et il me manquait un truc. Comment ça se fait? Bah je sais pas, c'est chelou comme quête. On est en partie.
Bah non, pourtant. Mais... Ah non, non, mais c'est bon. Non, non, c'est que j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, en fait. Voilà. Ah, ok. Allez, salut. Non, non, mais c'est bon, c'est que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Ah, c'est toi cette fois ? Ouais, c'est moi cette fois-ci. Ellipse time. Et voilà, chacun son tour de cracher pour les quêtes. Bon, c'est le seul problème qu'on a rencontré jusque-là, donc ça, on va pas trop s'en plaindre dans les modes plaques comme ça. Il y a des gens qui m'ont demandé les modes aussi dans les commentaires. Je vous mettrai juste le lien du mode pack. C'est le mode pack, c'est Ardencraft. Hein, mais je l'ai mis dans le titre, alors je pensais que les gens auraient tilté tout de suite et seraient allés voir. Mais apparemment non. Donc voilà. Non. Si vous cherchez Ardencraft, vous aurez la liste des modes du mode pack hein, en tout cas. Du coup, je te laisse. Parce que moi, j'ai jamais assemblé de four. Ah ouais, mais alors, est-ce qu'on le fait ici ou est-ce que. Ah oui, ça, c'est la question aussi. Bon, pire, de toute façon, moi, j'ai équipement pour en refaire un. Donc on peut toujours en faire un ici et puis. Ouais, de toute façon, on peut le mettre dehors et puis. On verra. On va le foutre chez le voisin, au pire. Vas-y, vas-y. On va chez le voisin. Bonjour, Michel. On vient installer le nouveau four. Ouais, en fait, c'est un peu chiant. Ouais. Sachant que c'est un peu petit. Moi, non, j'ai on peut le mettre dehors. De le... Ouais, on va le mettre dehors. Oh, moi, j'étais pour le mettre dehors, hein, parce que bon, aller trois là-dedans, pas forcément évident. Alors, moi, à j'ai. À la place du puits. Tu veux le mettre sur le puits ? Bon, si tu veux, hein. Regarde. Merde. Non, mais non, putain. J'étais sûr qu'il allait faire ça, putain. Tiens, attends, hop. Hop. Voilà, bouge comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fait un puits, youpi. Oh bah voilà. Ah oh, putain, j'ai rasé. Ah non, c'est bon. J'allais me dire, j'ai encore rasé la baraque, mais. J'ai encore foutu le bordel. Ah, alors, c'est pas moi. Attends, montre-moi exactement comment tu le fais. Parce que bon, je l'ai déjà fait, mais ce sera bien de revoir ça. Même si bon, il y a des bouquins, il y a des tutos, il y a plein de trucs pour le voir. Ouais. Tu fais un gros trou. Voilà. Tu mets tes petites tirées de briques en faisant du 3 par 3 à l'intérieur. Yep. Tu veux que je le fasse ? Ouais. Ok. Bah, du coup, oui, il va pas être centré, hein, tant pis. Oh, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est bon. Les PNJ, ils sont tous à un demi-cœur. Ensuite, t'en mets sur l'extérieur. Sur les cobbles, tu mets la cire de brique. Ok. Tu l'as juste un côté avec un trou. Bah on va le laisser là, celui qui est en face. Ouais, attends, lui. What ? Mais attends, j'avais des serrettes briques, j'en ai plus autant. Pourquoi j'en ai perdu ? Bah tiens, si tu veux. Ah bah non, parce que j'en avais que 17. Ouais. Ah, eh mais c'est que 17 en fait, je viens déjà de les poser en fait. Ah oui, ah, ça ouais, paraît pas, mais ça va vite. Hein. Et il va nous en avoir plus que ça en fait. Bah du coup, il faudra un. Ici. Ouais. C'est bon. Ah bah tu vois, il m'a récupéré en fait la serre de briques, le truc. Oui, mais je pense que c'est par rapport au minerai, surtout. Ouais. Le contrôleur ici. Alors, le contrôleur. Smart Ray Controller. Hop, voilà. Ah. Un tank. Si. C'est de l'autre côté, ouais, je me disais bien. C'est... Hop, voilà. Et t'as déjà la base du four qui est allumée. Ah ouais, d'accord. Et après, si tu veux l'augmenter, bah tu remets de la serre de briques à gogo. Ok, bah du coup, on va le... On s'en fout pour l'instant, on va le mettre comme ça. Ouais. Je vais juste mettre des drains. Des drains. Ah oui, ce qui vont permettre de... De couler le truc. Hop. Voilà. Donc là, il est plus, il a plus de... Bah oui, oui, d'accord. Oui, bon, là, on a doublé sa capacité parce qu'on a plus de liquide, etc. Ok. Ouais. Et donc là, c'est d'ici que sortira... Tout. Alors, le liquide nécessaire. Et ça, attends. What ? Oui, d'accord. Parce que là, ça va faire les plaques. Là, c'est ici qu'on mettra les moules pour les remplir, on est d'accord ? Ouais. D'accord, la casting table. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour faire directement des gros blocs. Ah, c'est pour mouler des blocs, c'est pour ça que c'est marqué aussi casting table. D'accord. Ah, voilà, voilà. Je ne comprendrais pas pourquoi ils s'appelaient les deux. Ok, bon, bah voilà, bah écoutez, les premiers objectifs réalisés déjà par rapport à celle-ci. Donc, les prochaines choses, donc il faudra récupérer plein d'or. Pour qu'on puisse faire les moules. Et donc ensuite, on continuera à récupérer le fer et tout, faire de la poussière pour pouvoir passer aux étapes supérieures. C'est déjà une bonne petite avancée, tranquillement, lentement, mais sûrement.
pour affronter le monde hostile. Hein. Il y aura pas mal de choses à faire. Il y a Abyssal Craft, je vous rappelle, qui est dans le mode. Donc on aura de l'exploration aussi à faire. Et le modeur, enfin celui qui a fait le modpack, en tout cas, s'est bien amusé parce que les crafts un peu cheatés, comme par exemple Project E, ont été transformés. Donc on pourra pas tricher, on pourra pas s'amuser directement à faire de l'alchimie et choses comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir des blocs vraiment avancés, on sera obligé d'affronter certaines dimensions avec du stuff réduit, hein, comme certaines choses par exemple qu'on ne pourra pas crafter, genre par exemple tout ce qui est pioche en copper, silver, etc. Je sais plus si on l'avait dit, mais en tout cas, parce que on l'avait dit en off, mais je sais pas si on l'avait dit sinon. C'est-à-dire que la plupart des pickaxes et des armes, etc., elles vont se crafter, mais à l'aide de Tinker Construct, et on peut pas les construire autrement. Par exemple, une pioche en copper ou autre, eh ben on va pas pouvoir la réaliser comme ça. Donc il faudra de passer par Tinker. Voilà. Mais bon, c'est bien hein, parce que moi il fallait que je me remette un petit peu à Tinker vu que je l'ai très peu joué Tinker. À chaque fois je dis ouais, je vais le faire, à chaque fois je le fais pas. Bah là c'est l'occasion. Tu commences. Allez, on termine cet épisode bien entendu avec des chance cubes. Ah oh, la vache. Oh putain, ils sont encore vivants. Non, ils vont poursuivre. Non, en plus ils courent trop vite. Ils courent trop vite. J'ai quitté du serveur parce que je peux pas voler. Tu veux pas voler? Non, je les vois! Dans l'eau! Oh putain! Elle faisait. Putain! Oh la vache! Elle crie. Il court vite, hein! Il court vite ce cochon, hein! Ah, ça fait un gros trou sur la map, hein! Ah oh, putain, ouais, je prends quand même des dégâts! Attends, et je prends quand même des dégâts même dans l'eau, hein! S'en battent les couilles! Ah d'accord! Ah, en fait, il me jarde du serveur parce que pour lui, je vole! Ok, très bien! Parce que tu sais voler! Oui. Ouais, faut que tu le désactives sur ta commande de serveur. Oh non, mais ils font trop mal! Ah bah oui. J'ai perdu 3 cœurs même à distance. Non mais cette explosion que tu nous as fait, mais... Ah oui, je vois sur la map qu'il y a un gros trou en fait. Je peux pas rejoindre le serveur, ah si. Oh putain, ce trou. Oh ah ouais, d'accord. Oh la vache. Allô, oui, bonjour, je viens récupérer ma tombe. Là, il y a des items par terre, je sais pas, il y a des graines et tout. Ah d'accord, j'ai looté le terrain là. Oh la vache! En fait, je vois deux morts. Hein. Je vois une mort au ras du sol et une mort à Tatooine au-dessus. Ah ouais, ok, très bien. Ok. Alors, oui, bonjour, je viens de faire un gros trou. Putain, la vache, mon gars. Ta tombe, elle est juste là, ouais, au-dessus. Ok. C'était très intéressant. Ma mort était. Faut pas que j'en mange trop, je crois, parce que je peux prendre feu. Non, ça, j'ai pas pris feu. Alors, je t'invite à poser le tien maintenant. Eh, j'avais pas vu qu'il y avait. D'accord, c'est Justin of Item qui rajoute ça ? Non, je sais pas. Bon, allez, bah oui, mais du coup, oui, bah, j'ose vraiment plus là. Mais si, t'inquiète pas. Les creepers en plus, mais laisse tomber quoi. Mais ils courent vraiment vite, hein. Ils courent vraiment vite. Je pense que chaque intro de vidéo, à chaque fois, je vais mettre ça. Des creepers qui nous pètent dessus. Bon, allez, salut. C'est pas grave, les regarde pas dans les yeux. Tout ce que je pense. Ignore-les, on les regarde plus. Ok, c'est quoi ces chance cubes là? Mais ils vont super vite en plus. Après, ah, ils ont du... Alors, je sais pas si les affronter c'est une bonne idée, mais j'avoue que pour récupérer. Les Underperles. Ouais. Pour récupérer des underpearls, je pense qu'on va les attaquer quand même avant que ça... Voilà. Ah ouais, puis en plus ils se tuent bien, ils se tuent assez vite. Ouais. Oh la vache, t'as vu? Il lâche des fils. C'est ouais, quoi lui, c'est... il était enchanté, je pense. Oh bah il me blindness et tout. Ah oui. Ah mais attends, il y a Ah, il y a ce mode là, Infernal Mobs, ça s'appelle. Ah. Ah mais je l'avais pas vu. Normalement on voit des titres. Normalement ils ont des titres dessus. Ah non mais on n'a pas damage indicator. C'est pour ça qu'on le voit pas. Peut-être parce que j'ai trop l'habitude d'avoir damage indicator avec moi. Ouais parce que là il m'a laissé des toiles d'araignée. Il m'a blindness. Donc il y a infernal mob. Ça veut dire qu'il y a des boss aussi qui se baladent. Oh. Ça va être cool. On va s'amuser. Hardcore. Ça va être hardcore. Ah c'est cool, j'ai des carottes. Bon, il a disparu le l'Enderman. Bon bah j'ai l'Enderperle. C'est quoi cet Enderman, putain? Il fait même pas de bruit quand il se TP. Il a disparu 4 fois, genre. On dirait Slender. Ninja. Ah ouais, je te jure.
Bon bah c'était cool le trou. C'était le trou. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Encore comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Ah, on va être obligé de les demander beaucoup hein, maintenant parce que YouTube ils ont changé maintenant. YouTube ils sont pas gentils. Hein, ouais. Et que, oh, maintenant t'es obligé de quémander des pouces bleus quoi. Ouais, voilà. C'est tellement ça. C'est tellement nul. Mais bon, enfin bref. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien comme d'habitude et on se retrouve pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Toujours plus d'explosions et de désespoir. Ciao à tous, à la prochaine. Peace out.